Ah oui, en fait, ça occupe. Mais moi, je suis à l'envers, là. Tout est du bon sens, tout le temps. Comme ça? Ouais, ok. Mais là, t'es flou, parce qu'il n'y a pas le temps. Attends, ok, ouais, mais... Ah, là, t'es en... c'est bon. Attends, ok. Donc, comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent? Ben là, on est le vendredi matin, alors c'est encore tranquille, mais on a déjà vu de nos abonnés. Hein, parce que le fun, c'est que souvent, ils nous connaissent les trois, fait que moi, je trouve ça... génial. Ouais. Effectivement. Oui. Ah, c'est la distance d'un bras pour être en focus. Ben non. Est-ce que t'as une perruque, Ali? Non, si j'avais une perruque. Je suis là pour en fait sortir pour vous faire des très fréquemment. Le livre d'or. En fait, le cœur sonique, c'est tout un brosse qui va venir vibrer et nettoyer le bruit en profondeur. Aujourd'hui, on se retrouve. Parmi nous en ce début de soirée. Le programme pour, pour la prochaine heure, on a avec nous des spécialistes, les blogueuses et youtubeuses beauté de l'heure. Alors, nous avons ici Patricia de 34 B. Allô? Ça va bien? Ça va très bien, oui. Et jolie diva jolie, Jolyanne, de ton vrai nom, un nom prédestiné pour travailler dans la beauté. Donc, comment on va fonctionner? Je vais inviter mes deux stars du web à s'asseoir. Et là, on va vous parler un petit peu des tendances actuelles au niveau du maquillage, des cosmétiques. On va choisir vraiment les trois tendances principales. Par contre, on est... Oh, on va le filmer pendant qu'ils s'en vont. Je faisais ma paparazzi. Ah, ah, ah. Non, mais... Donc, on est vendredi, il est à peu près 7h30, non, 8h30, c'est bientôt terminé pour le vendredi. Et on a une invitée spéciale, il y a Rachel Martino qui est venue. Coucou! Et vous avez Cynthia et Ali que vous voyez depuis tantôt, donc c'est pas des nouvelles. YouTube là-bas. Puis on a fait un petit concours, donc vous pouvez venir participer. Et vous pouvez aussi laisser un petit mot dans un livre d'or qu'on a créé. Donc vous laissez un petit mot, une trace de votre passage, tout ça. Fait que merci à tout le monde d'être venu. Puis on va continuer à se parler là-bas. Coucou les filles! On est le dimanche, la dernière journée du Week-end de Toute Beauté. Je vais essayer de vlogger un peu plus aujourd'hui. Les autres journées, c'était pas mal occupé. Surtout que mon copain a volé mon appareil photo pour le meet-up, donc j'ai pas pu prendre de photos avec les autres youtubeuses malheureusement. Donc là en ce moment, il y a Cynthia ici. Coucou! Ouais, tout le monde fait ça. Et Ali! C'était le moment cellulaire, c'est bien normal. C'est cette fragrance mythique chez les Wattiers. Alors, on s'est inspiré un peu de cet univers tout blanc-là, de pureté, d'éclat, de la neige, et on l'a transposé dans notre collection de maquillage. Tous nos coffrets, tous les emballages revêtent justement à bord la pureté du blanc comme ça. Et question de donner un petit twist à la saison, on s'est inspiré de la plume de pan, principalement. Donc, le pan blanc s'appelle le pan alba. Et c'est un oiseau mythique, c'est-à-dire que à travers les âges, au Moyen-Âge, c'est une créature qui était réputée pour... en fait, on associait beaucoup à la fertilité, à l'immortalité, à la spiritualité. Donc, on s'est inspiré de cet oiseau mythique-là. Et Jardin de Gilles est vraiment la star de cette collection-ci. C'est une palette qui contient non pas 8, mais bien 7 fards à paupières et un gel eyeliner. Alors, le Alanor est encore très de mise cette saison. D'ailleurs, tu vas voir. Vous allez voir, je vais vous entretenir de différents produits qui peuvent vous amener un petit coup de fouet pour un teint bonne mine. Souvent, la période des fêtes, c'est une période un peu plus difficile. On se couche tard, on fait des excès en tout genre. Donc, des fois, ça ressent sur la peau. Avec une petite poudre illuminatrice comme ça, ça vient, on dirait, ajouter le petit éclat de lumière de plus qui peut nous manquer. Ça peut remplacer parfois aussi le fard à joues, ou même combiner à un fard à joues conventionnel, lui donner un petit effet plus festif. chez les Oitiers, pardon, on a un peu revampé nos bases miracles, que ce soit les bases miracles conventionnelles et les bases miracles 3 dans 1. Je suis pas mal certain que parmi vous, il y en a qui connaissaient la base miracle. C'est un produit qui est avec nous depuis à peu près une quinzaine d'années. On l'a amené évidemment à un autre niveau. Parce que, en fait, le temps d'avoir un vêtement qui nous convienne, puis de que les ajustements soient parfaits. Très bon. Ça, c'est le groupe que j'ai voulu faire une interprétation du smoking, mélanger le noir avec du satin, avec du bleu, c'est magnifique. Peut-être la dernière robe aussi qu'on peut voir derrière, le décolleté dans le dos. Si vous voulez, oui, tourner une mademoiselle, même pour moi. Oui, on peut voir. C'est beau du tout. Oui, oui, oui. Oh, wow. Donc, ça ici, c'est une robe. La première des robes, c'est peut-être un esprit mou. Une inspiration des vagues des Caraïbes chères à Madame Floyd. Donc une version très contemporaine du frison, de la dentelle de frison. À filmer le petit tirage, à faire le tirage pour le cadeau. Roulement de tambour. Ouais, c'est comme ça. Vas-y, les filles. Ben non, regarde pas. Oh yeah. Foucault-Charlotte. Foucault-Charlotte. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Foucault-Charlotte. Voilà. Ah. Bravo.